hameau d'Auxerre, il se sent un peu à l'écart, il n'a pas de desserte d'autobus, la communauté des communes, communauté d'agglo, et les habitants se demandent à quelle sauce ils vont être mangés lorsque le passage à niveau de Jonc sera supprimé. Il faudra bien qu'ils puissent accéder à Auxerre, à la ville, d'une manière ou d'une autre. Mais par où ? Et au prix d'un allongement sensible du parcours. Il faut aller rechercher des chaises parce qu'il n'y en a pas assez. Du passage à niveau de Jonc par voie de contournement. C'est donc ce qui sera présenté ce soir à vous toutes et à vous tous par les fonctionnaires de l'État, plus exactement les fonctionnaires de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, avec lesquels nous travaillons déjà depuis un certain temps, vous le devinez. Je crois qu'il y a également des représentants de la direction départementale des territoires. Je crois qu'ils sont dans la salle. Tout ceci se situe dans le cadre de la concertation publique qui a débuté le 15 mars, qui se terminera, je crois, le 15 avril, avec une première réunion publique ce soir, ici même, à la Borde, et une deuxième réunion publique dans une semaine, très précisément, qui se tiendra à Moneto, juste à côté. Donc pour celles et ceux qui considéraient ce soir qu'ils n'ont pas suffisamment d'informations, ils pourront également nous rejoindre à Moneto. Donc je crois qu'il est inutile de perdre du temps d'introduction longue. Nous répondrons ensuite évidemment à vos questions. S'il y a des questions, j'imagine qu'il y en aura. Mais en tout état de cause, nous n'allons pas perdre de temps et présenter tout de suite, sans tarder, ce que sera demain le contournement du passage à niveau et donc sa suppression. Voilà, monsieur, je vous souhaite cette volontiers la parole. C'est un sujet que vous connaissez sur le bout des doigts depuis le temps que vous travaillez dessus. J'ajoute quand même que c'est une décision ferme et définitive. Ce qui est en débat, ce n'est pas la fermeture du passage à niveau et son contournement. Vous allez le voir, il y a un projet, il y a deux variantes, et c'est cela qui subit la concertation. Voilà, et nous vous donnerons également des enseignements sur le calendrier, sur les échéances. Voilà, merci à vous. En tout cas, je vous cède tout de suite la parole afin que chacune et chacun puisse prendre connaissance. Qui m'accompagne ce soir pour vous présenter ce projet de suppression du passage à niveau. Je suis Michel Quinet. Je dirige le service transport mobilité à la DREAL Bourgogne-Franche-Comté, donc qui a dans son périmètre d'action l'aménagement des routes nationales, mais aussi qui s'occupe du développement du ferroviaire, du fluvial et des modes actifs, y compris des services transport et mobilité. Je suis accompagné de Pascal Girard, qui est mon adjoint, qui a dans la direction la tâche de suivi de toutes les directions de maîtrise d'ouvrage routière. Je suis aussi accompagné de Pierre Vedel, voilà, qui tape sur le micro, qui est chef de projet de ce projet de suppression du passage PM19. Et puis l'autre garçon qui est Gabriel Filos, qui est l'assistant de Pierre Vedel, assistant technique. Et puis on a mis au milieu la seule dame de l'équipe qui n'est pas la DREAL, qui représente SNCF Réseau, voilà, qui est Elodie Nicolardeau, voilà, qui fait partie de cet établissement SNCF Réseau qui a en charge la ligne et donc la gestion du passage à niveau. On est réunis dans le cadre d'une concertation, on dit informelle, hein, qui se différencie de la concertation formelle, qui est celle qui sera organisée, qui aura comme support principal l'enquête publique, au moment où on sera entré dans une phase vraiment opérationnelle de suppression de ce passage à niveau. Donc elle est informelle parce que la forme de cette concertation est laissée libre.
à l'initiative de la maîtrise d'ouvrage que nous sommes. Donc on a proposé aux élus concernés, le conseil départemental, la ville d'Auxerre et de Moneto, donc d'avoir une réunion publique dans chaque ville, sur chaque secteur directement concerné. Et puis, vous savez que vous avez des registres qui sont ouverts dans les mairies, dans les trois mairies, y compris celle de Benoît, qui est dans le périmètre d'influence de ce projet. Et puis, on a un site dédié, une boîte mail, qui permet effectivement, qui vous permet de nous questionner, et on est engagé à répondre à vos questions. Voilà, sans plus attendre, s'il n'y a pas de déclaration liminaire, je vous propose de vous passer un diaporama. C'est Pascal Girard qui va être au pupitre et qui va vous présenter ce diaporama. Il est court, hein, assez concis, il y en a pour un quart d'heure, bien plus. Voilà, le temps de laisser... pour laisser le plus de temps possible au débat. Et on est après à votre écoute. Alors on n'a pas forcément réponse à toutes les questions, mais on est à votre écoute. Hein. Tout ce que vous nous direz ce soir sera pris en note, hein, et fera l'objet d'un compte-rendu de cette concertation préalable à la poursuite du projet. Voilà, désolé, on a plus de succès que prévu. Hein. La salle est... un peu petite, et surtout on n'a pas des chaises pour tout le monde. Bon, je vous prie de bien vouloir vous en excuser. Il n'y a plus de place nulle part. Toutes les places assises sont prises. Oui. Il y a deux chaises là qu'on peut enlever parce que je suis choqué. Je te passe la parole. Bonsoir. Donc, je vais donc procéder à la présentation tout de suite sans perdre plus de temps. Donc, voilà, donc tout d'abord. On rappelle quand même donc le terrain, comment il se situe. Donc le PN19, donc sur ce plan, que l'on voit situé ici à l'intersection de la voie ferrée, donc la Roche-Mugé-Auxerre, hein, et puis qui intercepte donc la Reine 77, donc Auxerre 3. Hein. Et puis donc on a sur ce plan aussi donc illustré la RD84, hein, donc, qui fait la liaison entre Moneto et Auxerre. Et puis aussi donc le contournement d'Auxerre par la RN6 que l'on voit passer ici. Donc voilà, tout simplement pour le décor. On voit aussi donc Moneto, bien sûr, situé ici, la Borde, et puis tout le secteur aussi de Venoix et de ses écarts. Voilà. Donc très rapidement, quand même, rappeler aussi les éléments de contexte et les décisions qu'on peut être prises antérieurement. Sur ce passage à niveau, il a connu plusieurs accidents, et notamment ça remonte à un accident avec une voiture en 2002, hein, tout d'abord. Ensuite, on a eu un accident aussi avec un bus scolaire en 2010, hein, en décembre 2010. Et enfin, donc, il y a l'accident mortel donc, de janvier 2018. Concernant ce passage à niveau, donc, il y avait eu un rapport Bussereau du secrétaire d'État donc, des transports qui a été fait en 2008, hein, et qui avait eu pour objectif, suite à un accident mortel donc, en Savoie, à définir donc, un plan pour l'aménagement ou la suppression de passages à niveau sur le réseau routier national. Il avait décelé donc, 21 passages à niveau qui avaient été jugés préoccupants et dont, effectivement, donc, le passage à niveau de Jonge. Voilà. Alors, il y a eu effectivement, dans les mémoires assez proches, il y avait l'accident de 2010. Et suite à l'accident de 2010, il y a un certain nombre de choses qui ont été faites. L'objectif était effectivement d'aménager et sécuriser tout d'abord le PN, sans attendre effectivement le projet de suppression du passage à niveau qui lui se fait à plus long terme, vous allez le comprendre. Mais donc tout de suite, donc, dès le début, définir un programme de sécurisation de ce passage à niveau qui a été mis en œuvre en 2011 et 2012. Avec donc renforcement des flux clignotants, mise en place de radars automatiques pour le franchissement des barrières, une limitation de vitesse à 30 km/h, et puis aussi une réalisation d'une voie d'évitement au cas où. Donc tous ces éléments-là ont été faits donc jusque avril 2012, qui ont renforcé quand même de manière importante la signalisation. Et puis en même temps, en parallèle, quand même, avaient été commencées des études de suppression du passage à niveau. Donc, études qui avaient été menées donc, sous maîtrise d'ouvrage, donc à l'époque c'était RFF, aujourd'hui SNCF Réseau, donc entre 2009 et 2011. Donc, ces études
Voilà, donc je vais vous en dire quelques mots ensuite. Mais simplement, donc, par rapport au passage à niveau, on a mis effectivement des radars de feu et qui ont permis de déceler quelles étaient les infractions qui pouvaient être commises au passage à niveau. Et vous voyez, donc, on a donc un tableau ici, chaque année, on voit effectivement dans chaque sens de circulation le nombre d'infractions qui sont relevées, et on en a à peu près, donc on va dire en moyenne, on a 750 à peu près par an, hein, donc ça fait aujourd'hui quand même une moyenne de 60 infractions par mois, soit deux par jour, hein, donc, et tout cela, donc effectivement, ces mesures montrent bien que malgré toutes les dispositions qui ont été prises pour la sécurisation du passage à niveau, eh bien, ça confirmait bien la nécessité de supprimer ce passage à niveau pour éviter ce risque qui est vraiment latent. C'est des infractions de franchissement des barrières. Oui. Ça veut dire que le signal clignote et que la voiture passe quand même. Parce qu'au sens du code de la route, dès que le feu clignote, on doit s'arrêter. Donc, rapidement rappeler quand même et présenter quand même les études, les hypothèses donc, de tracé qui avaient été étudiées donc, sous maîtrise d'ouvrage de RFF pour envisager donc, cette suppression de passage à niveau. Et donc, vous voyez, on a donc plusieurs variantes qui avaient été étudiées à l'époque. Donc, un tracé ici, numéro 1, qui privilégie un tracé assez direct et se raccordait ici donc à la RN6. Un autre tracé numéro 2 qui était quasiment le même que le numéro 1, mais plutôt que de se raccorder à la RN6, il allait se raccorder au carrefour existant, hein, le giratoire qui fait l'intersection entre RD84 et RN77 et RN6. Voilà. Et ensuite, donc, d'autres hypothèses de tracés avaient été recherchées, donc les tracés 3 et 4, qui étaient, disons, des déviations peut-être au plus court par rapport au passage à niveau. Et ensuite, enfin, donc, un autre tracé aussi avait été recherché, donc un tracé qui était plus au large, qui évitait effectivement, permettait d'éviter Jonches, et puis à l'interface entre Moneto et Jonches. Donc vous avez les chiffres des évaluations, les linéaires de ces différents tracés. Et, voilà. Et ensuite, donc, simplement rappeler quand même les différentes analyses d'avantages et inconvénients qui avaient pu être faites sur ces différents tracés. Donc pour les tracés 1 et 2, on avait effectivement quand même un grand linéaire de voirie neuve à créer. Le tracé, généralement, donc, il passait dans ce secteur-là, et on rencontre ici plutôt un relief assez chahuté, avec une succession de remblais, des blés, hein, donc entraînant donc à la fois, quand on regarde un peu la colline, donc un impact visuel fort et urbain, hein, puisqu'on n'est pas très loin des zones habitées, et limitation donc, du développement urbain côté est de Jonches, acquisition importante en zone constructible, et puis nécessité aussi, par rapport à la proximité des zones habitées, de mettre en place des écrans acoustiques pour Jonches. Et puis en même temps, on traverse un secteur qui est assez naturel, avec un impact environnemental fort, la traversée du rue des Caillottes et de terrains agricoles. Et puis un projet, donc un tracé, qui consommait quand même pas mal d'espace. Donc, assez rapidement sur ces tracés 1 et 2, on a écarté le tracé numéro 1. Alors pourquoi ? Parce que tout simplement, le raccordement à la RN6 se serait retrouvé trop proche du carrefour existant. On ne peut pas, pour des raisons de sécurité, mettre deux échangeurs sur une route comme celle-là trop proche l'un de l'autre. Et donc, il faut au moins 750 à 800 mètres pour pouvoir faire un autre point d'échange. Voilà, donc finalement, sur ces tracés 1 et 2, on avait retenu déjà au niveau technique le tracé 2. Ensuite, comparaison des tracés 3 et 4. Le tracé 3 et 4, donc, avait déjà l'avantage de présenter un linéaire plus faible, mais comme inconvénient, il ne contournait pas totalement Jonches. Il présentait plutôt aussi comme inconvénient ces deux tracés de provoquer, enfin de nécessiter des nuisances sonores fortes pour des riverains et qui de toute façon seraient irréductibles. Un impact visuel fort parce qu'effectivement à cet endroit-là, ces déviations évidemment permettent de franchir la voie ferrée par un passage supérieur, mais là, vu la zone où on est, le remblai qu'on serait amené à réaliser serait un remblai de 15 mètres de hauteur. Donc un impact visuel fort.
Et puis effectivement, on se rapproche des zones de captage hein, de la plaine des îles, et proximité donc d'une zone de captage d'eau potable, qui est aussi une contrainte dans ce genre d'aménagement. Voilà. Deux tracés, assez rapidement, le tracé 4 a été éliminé parce qu'il était forcément le plus coûteux et ne présentait pas d'avantage par rapport au tracé 3. Enfin, le tracé 5, qui avait été aussi écouté et étudié, pardon. Donc lui, il permet effectivement le contournement de Jonche. Il présente quand même l'inconvénient d'une acquisition en zone agricole. Hein. Un impact visuel un peu moyen, plus moyen, parce que le remblai pour le franchissement de la Boffurie n'est plus que de 7 mètres. Mais bon, il y aura quand même effectivement un remblai. Et puis, donc, un impact quand même sur les déplacements, hein, puisque on a par exemple pour les habitants de la Borde, en cas de suppression du passage à niveau, effectivement, un allongement du parcours hein, pour rejoindre le Serre. Voilà. Alors, effectivement, donc, on est arrivé, disons, début 2011 sur ces études. Et puis, donc, les scénarios ont été proposés et une décision ministérielle est intervenue en juin 2012 pour retenir le choix du tracé 5, puisque, bon, vu le classement du passage à niveau de Jonche, il était bien sûr nécessaire de poursuivre donc, les études allant à sa suppression. Et donc, ce tracé numéro 5 a été retenu à l'époque comme le meilleur compromis, donc à la fois entre la surface consommée, les fonctionnalités qu'il pouvait offrir et le coût de l'opération. Donc, à partir de juin 2012, on a commencé effectivement à regarder comment engager ces études pour l'étude donc, d'un barreau entre la RN77 et la RN284 sur la tracée 5. En 2012, on a vu les radars de feu installés et après 2 ans de fonctionnement, le préfet de Lyon avait effectivement aussi insisté sur la nécessité donc, de poursuivre la suppression de ce PN19. Parce que, effectivement, le résultat des franchissements de radar a confirmé la nécessité et le risque avéré de ce franchissement du passage à niveau. Et donc, ça en est suivi une autre commande ministérielle qui a précisé, donc en avril 2015, donc, commander donc, cette décision ministérielle, commander les études détaillées du tracé 5, avec effectivement l'objectif de présenter un dossier à l'enquête publique, et donc aussi s'accompagner aussi. D'un projet de rétablissement des modes doux, donc au droit du passage à niveau. Donc le principe, c'est effectivement de réaliser aussi un équipement qui permette donc à la fois aux cycles, aux piétons, aux personnes à mobilité réduite, de pouvoir franchir le passage à niveau, donc à l'endroit du passage à niveau. Et donc l'enveloppe de l'opération a été fixée à ce moment-là, en avril 2015, à 18,5 millions. Alors aujourd'hui, la concertation publique, donc, elle est effectivement organisée, elle est faite pourquoi exactement? Elle est faite surtout pour que chacun soit informé du projet et qu'il ait la possibilité de faire part de son point de vue, donc pour effectivement, dans la poursuite des études, enrichir le projet. Aujourd'hui, nous sommes en stade de la préparation des études détaillées, et puis et effectivement, cette concertation est nécessaire pour éventuellement, effectivement, prendre en compte les différentes observations qui pourront être formulées donc à travers cette réunion publique, enfin, ou les 2 réunions publiques qui seront organisées, et puis d'autres moyens de communication que je vous présenterai tout à l'heure. Alors, la concertation, elle porte sur quoi exactement? Elle porte effectivement sur deux variantes du tracé 5 que l'on vous propose et qui font l'objet de cette commande ministérielle d'avril 2015. Donc les 2 tracés, il y a 2 tracés, donc effectivement, un premier tracé que nous on appelle variante dite routière, qui a un linéaire d'environ 900 mètres à peu près, hein, et qui est d'abord un choix de tracé qui avait été fait, surtout pour donc proposer un tracé médian par rapport au secteur urbanisé. On a essayé effectivement de passer plutôt au milieu, entre les zones urbanisées de Méto et entre les zones urbanisées de Jonche. Voilà. Donc voilà ce que pourrait donner ce type de projet, le tracé qui pourrait en résulter. On a aussi illustré par principe hein, les petits traits violets, donc ce sont la possibilité de mettre des protections acoustiques, et puis les zones bleues, là ce sont plutôt des bassins que l'on ferait pour le traitement des eaux.
Donc, après la variante donc, routière, on a aussi étudié ce qu'on appelle une variante dite urbaine. Alors, donc là, elle est un petit peu plus longue, un peu plus d'un kilomètre, mais on l'a articulée de telle sorte qu'elle puisse effectivement s'appuyer sur la rue du Grand Aimont, hein, avec la possibilité aussi d'offrir un échange ici, en bas de la rue du Grand Aimont, et raccordant effectivement toujours par un barreau qui vient de rejoindre effectivement donc la RD 84 au même endroit. Bon, cette solution effectivement présente aussi la possibilité d'un échange avec, avec les riverains de Monito. Le même type d'équipement, hein, les bassins, les protections phoniques, bon, qui sont indiquées de manière indicative, les études précises de projet permettront effectivement de les préciser et de les localiser. La comparaison des variantes, donc on propose effectivement donc ces deux variantes, et on compare effectivement donc l'impact de ces deux solutions. La variante routière, effectivement, elle impacte fortement l'espace agricole, alors que la variante urbaine, donc, en s'appuyant sur le chemin du Grand Aimont, limite la consommation d'espace agricole. L'impact acoustique, donc effectivement, dans la variante routière, comme on passe en espace médian entre les deux, entre Monito et Jonge, on est plutôt sur une amélioration pour Jonge, tout comme pour la variante urbaine. Par contre, donc, effectivement, on présente un tracé optimal au regard des secteurs habités. En revanche, donc, pour la variante urbaine, on se rapproche de Monito, du secteur urbanisé, mais aujourd'hui, on sait tout à fait faire des équipements qui permettent de respecter les seuils d'abattement acoustique par rapport à des habitations situées à proximité. Impact visuel. Donc les deux variantes présentent le même impact, hein, remblai de 7 mètres de haut. Le linéaire, on voit bien qu'effectivement la variante routière est plus courte, donc un peu plus intéressante. Et enfin, on a regardé aussi par rapport donc, à ce que pourrait offrir chaque variante, l'impact que pourrait avoir cette variante par rapport à la possibilité de suppression du PN18. Notre projet n'est pas de supprimer le PN18, mais quand même de regarder si à terme ça offrirait cette fonctionnalité-là. Et effectivement, avec la variante routière, je reviens un petit peu sur le plan. Le PN18 étant cité ici, bon, effectivement, si on doit fermer le PN18, surtout pour les riverains de Monito, bon, effectivement, on n'apporte pas beaucoup d'avantages, plutôt des inconvénients, parce qu'on allonge leur parcours. Et donc, on voit bien que dans la variante dite urbaine, là, avec ce point de raccordement, on offre un itinéraire alternatif qui est quasiment équivalent à celui qu'ils ont aujourd'hui, et effectivement, avec l'inconvénient de ne plus traverser ce PN18. Voilà. Juste quelques mots donc aussi donc au niveau du projet, il y a une exigence de réaliser donc une passerelle qui permette effectivement de passer au niveau du passage à niveau actuel, à la fois pour l'accès des personnes à mobilité réduite, des cycles pied-à-terre, et donc bon, maintenir aussi un accès SNCF pour la maintenance. Voilà, donc c'est une passerelle qui devra être située à une hauteur de plus de 6 mètres, effectivement, pour le gabarit qui est nécessaire pour cette voie. Voilà. Donc après, on étudie actuellement deux possibilités, hein, soit une passerelle avec des rampes, proposition donc de passerelle avec rampes, ou alors, effectivement, ce qui serait quand même peut-être plus intéressant en termes d'espace, mais donc une proposition de passerelle avec des ascenseurs, avec donc en prise réduite, mais se posera aussi la question de la maintenance de ces équipements. Et enfin, pourquoi pas rechercher des itinéraires alternatifs qui puissent remplir cette fonction de franchissement des référents. Très rapidement, présenter aussi le planning prévisionnel de réalisation, parce que ce qui importe aujourd'hui, c'est de savoir à peu près à quel moment on sera en mesure de réaliser des travaux qui vont conduire à la suppression effective de ce passage à niveau. Vous voyez donc que dans le planning qu'on présente, on est sur des travaux sur 2020-2021. Aujourd'hui, on est sur des études donc, qui se poursuivent, études de projet qui sont en fait des études maintenant détaillées. Elles ont déjà démarré en 2016, elles se sont poursuivies en 2017 et elles se termineront à la mi-2018 pour effectivement constituer un dossier qui fera l'objet d'une enquête publique. Donc en même temps, il y a des études techniques qui sont en cours et on a un projet qui techniquement devrait être approuvé donc, pour effectivement être poursuivi. Il y a des procédures qui doivent être engagées, des procédures environnementales, autorisation au titre de la loi sur l'eau,
Demande de dérogation au titre des espèces protégées. Donc, on a mis que le début de cette procédure qui démarre donc en ce moment, hein, mais qui vont exiger effectivement des procédures qui vont durer à peu près un an, mais qui fonctionneront, disons, en temps masqué par rapport à la réalisation du projet. Il y a aussi, pour tout projet, un diagnostic archéologie à faire. Donc, ce diagnostic archéologie a été demandé. Il sera certainement réalisé au cours de l'année 2018. Et puis ensuite, on procédera effectivement. Alors, à l'issue de la concertation, on choisira effectivement une variante, hein, et puis on engagera sur la base de cette variante des enquêtes parcellaires qui permettront effectivement de procéder ensuite, à l'issue de la DUP, aux acquisitions nécessaires. Et puis, en 2019, on consacrera cette partie-là à la consultation des entreprises pour effectivement engager des travaux au mieux fin 2019, mais plutôt début 2020. Voilà. Ça reste un planning très exigeant. Hein. Dans les échanges qu'on a pu avoir avec les collectivités, a émergé une demande de la ville d'Auxerre, hein, parce que effectivement, on voit bien que pour la Borde, et puis pour toutes les personnes qui circulent dans l'Est auxerrois et qui effectivement prennent la rue Neuve qui rejoint à Jonche, la suppression du PN19 est forcément impactante parce qu'il faut qu'il est supprimé, mais effectivement il y a un trajet là qu'on fait, qui fait à peu près 3 km, qui rallonge effectivement le temps de parcours. Et donc effectivement, la demande du maire d'Auxerre était effectivement de dire il n'y a quand même pas moyen de trouver un raccordement à la RN6 qui permettrait effectivement d'offrir un itinéraire alternatif qui permette de rejoindre à peu près dans des conditions presque équivalentes, au moins moins pénalisantes que le tracé proposé, de rejoindre effectivement la RN6 et puis soit le nord d'Auxerre, soit la ville d'Auxerre. On a commencé à regarder quels étaient les trafics qui existent dans le secteur, et on a effectivement mis en évidence que la voie qui descend sur Jonche, on a à peu près un trafic de 2300-2400 véhicules jour dans ce secteur-là, mais il se caractérise par aussi, dans ces 2300 véhicules jour, il y a quand même à peu près 1800 véhicules qui viennent du secteur de Écrisel, de Venoir, et d'un peu plus loin, bien sûr. Tout ce trafic-là n'est pas issu de la Borde, mais il ne fait que passer et il descend cette voie. Après, on a regardé effectivement ce qui venait d'un petit peu plus loin, 200 véhicules jour qui viennent de l'est de la Borde, et puis on a aussi mesuré ce qui venait sur la voie de la Tour-Coulon. Donc là, on est à 530 véhicules jour qui passent dans ce secteur-là. Donc on a effectivement découvert qu'il y avait un trafic effectivement important qui venait de l'est auxerrois, et puis qui forcément est impacté par cette suppression du passage à niveau. Donc, dans un deuxième temps, on a recherché, effectivement, où on pourrait faire un barreau qui fasse une liaison qui permette de se raccorder à la RN6. Et en recherchant un petit peu le long de la RD124, juste au droit d'un transformateur EDF, là, il y a un chemin qui colle, qui descend vers la RN6, et on a commencé à dire, pourquoi pas, il y a peut-être la possibilité de faire quelque chose. Et donc, on a produit tout d'abord une étude de faisabilité qui permette de voir est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire une liaison qui pourrait répondre à cette demande de déplacement alternatif. Et donc, on a regardé plusieurs solutions de raccordement possibles. Alors, tout d'abord, un raccordement plus court avec, on va dire, là on est dans une configuration d'échangeur qui offre toutes les fonctionnalités, qui est plutôt le top de l'équipement, mais on souhaitait effectivement proposer d'abord un raccordement maximal qui permette de se rendre compte de ce que ça pourrait être. Et effectivement, on a donc un échangeur losange avec un passage supérieur au-dessus de la RN6 qui permet d'offrir toutes les fonctionnalités de déplacement et d'échange. Simplement, il a un gros inconvénient, c'est qu'on a des très forts remblais, puisqu'on a des fortes pentes dans ce secteur. Et donc, c'est forcément un projet qui est assez onéreux. Mais on a à peu près aujourd'hui une idée de ce que ça pourrait coûter à cet endroit-là. Mais effectivement, on ne s'est pas contenté de regarder ça. On a regardé aussi ce que pourrait donner
un projet. Alors là, on a un profil, là, la RN6, j'ai oublié de le dire, à cet endroit-là, elle est en remblai, mais dans ce secteur-là, elle est plutôt dans ce qu'on appelle un profil rasant, c'est-à-dire qu'on passe d'un remblai à ensuite un déblai, et donc là, c'est peut-être plus facile, c'est plus facile de se raccorder parce qu'on est déjà plus à niveau, mais on propose aussi un échangeur du même type, hein, toujours échangeur donc avec un passage supérieur, qui offre toutes les fonctionnalités. On voit effectivement que là, c'est plus facile à l'aménager, et on est plutôt donc sur un coût proposé de 6,5 millions d'euros. Voilà. Donc les alternatives qui sont proposées, donc au niveau des études, voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'il en est de la suite? Donc effectivement, au niveau des prochains mois, donc là on a la concertation publique qui se déroule. Hein, et l'objectif effectivement, donc c'est à la fin avril de préparer et de proposer un bilan de cette concertation. Ce bilan sera publié, donc, et il se traduira effectivement par le choix d'une variante, hein, que l'on fera donc, dans ce calendrier début mai. Et ça permettra effectivement de choisir le projet que l'on présentera à l'enquête publique, avec effectivement une enquête qu'on fera probablement en fin d'année, avec l'objectif d'avoir la déclaration d'utilité publique en fin d'année 2018. La concertation publique, donc, elle se déroule donc, actuellement, bien sûr, elle a commencé depuis le 15 mars. Hein, comme je le disais tout à l'heure, elle permet effectivement de faire part de son avis, de poser des questions, de, voilà, donc, d'échanger sur ce projet donc, par différents moyens. Vous avez déjà peut-être vu que pour annoncer la concertation, on avait produit des affiches qui ont été mises dans les mairies. Il y a des flyers aussi qu'on peut les distribuer, donc il y a un point presse, il y a un communiqué de presse plutôt qui a été distribué à la presse. Et puis il y a un site internet qui a été ouvert sur le site de l'Adréal, sur lequel on peut effectivement déposer ses remarques. Et puis des articles dans les journaux et sur les sites internet des communes, sur le Lausanne aussi. Il y a aussi une page internet sur le site de la préfecture, avec un lien qui renvoie sur le site de l'Adréal pour poser des questions. Bien sûr, cette concertation, comme on est ici donc, à la première réunion donc, à la Borne, il y en aura une autre, donc, comme on vous l'a déjà dit, le 28 mars, la semaine prochaine, donc, au foyer municipal. Vous avez vu, donc, sur les tables, il y a une plaquette à disposition qui présente le projet, et puis donc, l'adresse internet qui permet effectivement de déposer, donc, l'adresse du site qui permet effectivement ensuite de déposer des remarques sur l'adresse mail qui a été indiquée ici. Cette adresse mail, vous l'avez aussi sur la plaquette. Après, autre moyen de déposer ces remarques, donc des registres ont été ouverts et déposés donc dans les mairies d'Auxerre, au service de l'urbanisme de la ville d'Auxerre, à la mairie de Monito, à la mairie de Venois. Ces éléments-là sont en place et sont disponibles depuis le 15 mars, et ils le seront jusqu'au 15 avril, donc pendant la période de la concertation. Voilà. Merci Pascal. Voilà, on vous a présenté d'où on est parti, là où on est aujourd'hui. Hein, c'est forcément des études, des projets qui ont des temps de mûrissement longs. Hein. On a commencé les premières démarches sous le timbre SNCF Réseau en 2009. Hein, on devrait être opérationnel, c'est-à-dire avoir un projet fait qui peut se transformer en aménagement à 2019. Voilà, 10 ans, ça peut paraître effectivement long, hein, mais c'est... dans ce type de projet, un projet plutôt court, hein, si on se réfère par exemple, monsieur le maire, au contournement sud d'Auxerre. Par exemple. Voilà, c'est encore plus long. L'actualité, évidemment, nous oblige tous aujourd'hui à être sur un pas de temps resserré. Hein, on est bien conscient qu'il faut aujourd'hui avancer plutôt au pas du montagnard, si je puis dire, de façon à tenir ses engagements. Pour être dans une mise en service en 2021. Voilà. Sur les élus, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant qu'on cède la parole à la salle. Non, je crois qu'on peut tout de suite céder la parole à la salle et avec grand plaisir. Pardonnez-moi, madame, j'ai oublié de vous saluer tout à l'heure en votre qualité de représentant de SNCF Réseau. Mais voilà qui est corrigé. Voilà, vous avez la parole maintenant, il y a des micros qui circulent dans la salle. Oui. Bonjour, je m'appelle Yannick Davouz, je suis habitant de la Borde. Je parle uniquement en tant qu'habitant aujourd'hui.
Je rejoins pleinement toutes les remarques qui ont été faites, je ne remets rien en cause. Je suis concerné parce qu'en tant qu'habitant de la Borne, je ne me retrouve pas dans le projet. La seule chose qui me surprend, c'est qu'en fait, l'action a pour vocation, a pour seul objectif, la sécurité des gens qui passent. Et quand je regarde l'analyse, je me dis, tout va être détourné en descente sur la RN77 via Moneto. Une grosse partie du flux qui descend de Venoix pourrait être contourné par ce barreau. Il va rester à peine 300 véhicules jour qui vont se promener en descendant de la Borne. J'arrive pas à comprendre pourquoi, comme pour le passage à niveau 18, le passage à niveau 19 ne peut pas survivre, puisque s'il n'y a que les descendants de Jonche et que nous, de la Borne, qui l'empruntons, on peut même imaginer des aménagements. Le passage à niveau... C'est l'objectif principal, ça devient atteignable, ça nécessite peut-être un peu d'aménagement pour être sûr que les gens ne continuent pas à traverser Jonche, mais pour un budget réduit, on arrive à satisfaire tout le monde, et on peut certainement faire mieux que ce qui est seulement proposé aujourd'hui. Voilà. La question qui est derrière ça, c'est pourquoi vous avez commencé la discussion en disant la décision est prise de fermer le passage à niveau 19. Est-ce que si on prend un peu de recul, on peut raisonnablement envisager, sous condition d'avoir une proposition qui tient la route, de ne pas le fermer? Alors, on a noté effectivement la remarque hein, qui a du sens. Nous, on fonctionne avec une commande ministérielle qui part d'un programme qui s'appelle effectivement suppression des passages à niveau dangereux. Alors, la dangerosité d'un passage à niveau, elle est fonction d'un couple hein, de circulation entre les trains qui passent, il y en a 35, hein, si je ne dis pas de bêtises, en moyenne par jour, et puis les véhicules. Donc, si on diminue le trafic ferroviaire et si on diminue le trafic routier, on peut imaginer qu'on ramène de la sécurité au passage à niveau. Alors, comment dire, l'expérience montre que ce n'est pas vrai. On réduit la probabilité d'accident. C'est un fait. Voilà. Mais on risque toujours, effectivement, un accident grave, forcément, parce qu'on aura une collision entre un véhicule et puis un train. La gravité reste... En cas d'accident, la gravité est indiscutable. Oui. On n'en est pas là. Il y a des comportements... Excusez-moi, s'il vous plaît. Il y a des comportements qui sont inacceptables, y compris les gens de la Borne qui descendent. Il y a des gens qui franchissent le feu rouge. Il y a des gens qui ne respectent pas la signalisation. Et ça restera. Maintenant, on ne ferme pas toutes les routes sous prétexte qu'il y a des accidents mortels de la responsabilité des gens qui passent. L'autre point, c'est qu'il va rester de la dangerosité à traverser effectivement un carrefour, à traverser un PN. Mais vous demandez aujourd'hui de contourner, de passer par Aigrisel, si vous pratiquez cette route, elle n'est pas idéale, mais pas du tout. On se retrouve à passer le petit bois des Griselles. Vous allez regarder, il y a des traces de pneus partout, c'est pas fait pour avoir du croisement non plus. Ça veut dire qu'on doit raisonnablement gérer des projets pour protéger les gens, même malgré eux, parfois. Mais la raison, à un coup, la raison, c'est pas renvoyer le problème sur un autre tracé. On est concerné, nous, je peux vous assurer que si je passe par les Griselles pour descendre, etc., avant d'être sur ce barreau qui est certainement une bonne décision, en plus, honnêtement, c'est pertinent, il y en a besoin pour le développement de l'Est d'Auxerre, etc. Je reviens sur mon incompréhension quant à la décision de fermer le passage à niveau 19. Y compris pour ma sécurité, pour des propres raisons de sécurité. Pardon, l'État s'exprime en son nom. Je reviens sur ce que vous dites en disant que ça va obliger les gens de la Borne d'emprunter le petit barreau qui va joindre la route des Griselles au contournement ouest. Donc, pour les gens de la Borne, autant pourquoi, c'est une demande qui m'avait été faite d'ailleurs. On m'a dit, si le passage à niveau est supprimé, il y aura de gros problèmes dans la Borne, puisque tous les flux de transit qui étaient évoqués tout à l'heure, en gros, allez, de pas loin de 2000 véhicules par jour, avec des flux de circulation qui viennent de l'est et du sud-est de l'agglomération. La fermeture du passage à niveau aurait pu conduire mécaniquement à ce que les gens continuent de passer par la Borne, mais dans ce cas-là, en passant par la route de la Tour Coulombe, qui ne peut pas accepter ce trafic de transit. C'est pour ça qu'il m'avait été demandé que nous puissions, après la fermeture du passage à niveau, réaliser un petit barreau qui permettrait, non pas aux gens de la Borne, mais aux gens qui viennent de chez toi, des Griselles, de Venoix, de Médicaro, de Montigny-la-Reine, de ne pas avoir à traverser la Borne.
Parce que le seul point de passage à ce moment-là, c'était la Borde et la Tour Coulon. Vous, en revanche, habitants de la Borde, quand on est sur 1500 véhicules par jour, il y en a 300 qui émanent de la Borde, rien ne vous empêchera, vous, de prendre en revanche la route de la Tour Coulon et de vous raccorder sur le giratoire qui permet ensuite de gagner le parc d'activité. Voilà. On peut pas dire ça sans faire soi-même. La Tour Coulon, c'est sinueux, c'est pas large, mais ça rallonge, excusez-moi. J'ai pas dit que c'était obligé, je vous ai pas dit que c'était obligé. Non, est-ce que je reviens sur ma question. Quel est l'intérêt de demander à des centaines de personnes de la Borde d'aller faire un tour par la Tour Coulon qui est dangereuse, d'aller passer par Aigrisel? Je vous ai pas dit ça. Alors, excusez-moi. L'alternative, qu'elle soit via la Tour Coulon ou via Aigrisel, elle est plus dangereuse que de passer sur l'EPN, quand on parle de 300 véhicules à la journée. Écoutez, donc je ne remets pas en cause tout ce que vous avez fait avant. Ce n'est pas un débat politique, on est en train de parler de notre vie de tous les jours, à tous les gens qui sont ici. Et pour moi, la décision de fermer le PN19 dans la condition de la réalisation des travaux que vous annoncez ne me paraît pas pertinente. C'est un point de vue que j'aimerais qu'on enregistre, c'est un point de vue qui est partagé par une grande partie des gens ici. Et d'un point de vue sécurité, moi j'ai travaillé beaucoup dans la sécurité, je ne vois pas la justification d'un tel acte. Écoutez, la justification qui est partagée à la fois par l'État et par les élus qui sont concernés, quelles que soient d'ailleurs qui étaient les hypothèses de tracé, c'était supprimer ce passage à niveau qui est considéré comme un des plus dangereux de France. Pas avec 300 véhicules. Pas avec 300 véhicules. Écoutez, nous sommes en réunion calme. Comme vous dites, monsieur Davous, on est là pour échanger, pour exprimer des points de vue. Laissons-le parler, s'il vous plaît. Tout est noté. On ne peut pas, et je vous rejoins complètement sur ce sujet, on ne peut pas dire aujourd'hui, avec les flux de transit, le passage à niveau est dangereux, et demain, avec ma circulation, il sera dangereux. C'est vrai qu'il n'y a pas d'effet mécanique. Et donc c'est pour ça que la décision de l'État a été prise. Et moi je vous dis comme je le pense, j'assume mes responsabilités, je pense que c'est une bonne décision qui a été prise par l'État. Alors après, tout projet de cette nature, on est obligé de partager mon point de vue, moi je vous donne mon point de vue. Et ce que je veux dire, c'est qu'on est obligé de partager vos points de vue, mais en même temps, nous savons pertinemment, et c'est pour ça qu'il y a ces réunions d'information d'ailleurs, qu'un tel projet a forcément des conséquences. Ce que nous vous proposons ce soir, c'est de les amoindrir, notamment par la réalisation de ce petit barreau. C'est ça la réalité. Alors après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et je le comprends parfaitement. Il n'empêche qu'en matière de sécurité, nous devons être irréprochables. En tout cas, le point de vue que nous partageons, service de l'État, est là. Quasi unanimité des études. On pourrait demander à madame de la SNCF les statistiques de fréquentation des passages à niveau en France et regarder la dangerosité des passages à niveau avec 300 véhicules jour passant dessus. On est avancé, vous avez mis beaucoup d'énergie pour régler un problème et c'est très très bien. On a du recul aujourd'hui, on a des choses concrètes, c'est plus facile pour nous de juger. Je me mets dans une position où je me rends compte. On a facile à juger le travail. Néanmoins, il y a des pistes, des ouvertures. Et en tant que personne de l'État, en tant que représentant de CER, en tant que représentant de tous les gens qui sont ici aussi, ce qu'on est en train de demander, c'est d'envisager, en bonne intelligence, cette version-là, cette variante-là, qui pourrait apporter une solution à tout le monde, qui pourrait éliminer et se justifier très clairement si on revient sur les statistiques. On ne veut pas supprimer tous les accidents de la terre entière contre les gens. Il y a des choses beaucoup plus dangereuses qu'un passage à niveau avec 300 véhicules jour. Donc, soyons tous intelligents, respectons les feux, voyons ce qu'on est prêt à faire, nous, en termes de respect, voyons un peu à vous aider sur la signalisation en bas, sur le respect du stop, sur les priorités, etc. On doit faire notre effort aussi, nous, habitants de la Borde. Néanmoins, ça paraît inacceptable de considérer que c'est un side effect, des effets collatéraux, de dire, vous passez par la Tour Coulon, qui a un tracé qui est, honnêtement, inacceptable pour les gens de la Tour Coulon. Ils ont des gamins, ils ont des gens dans la rue. Nous, on passe en bas des voitures, on va se croiser les uns les autres. Par Aigrisel, c'est pas mieux. Le bois, regardez le nombre de traces de pneus qu'il y a sur les bords de la route. Dans ce cas, dans le chiffrage, vous refaites tous les tracés des 3 km, on discute que des 3 km, mais vous redoublez les routes, vous élargissez les voies, vous les remettez à neuf complètement. Et là, on peut en discuter. Monsieur Davous, vous êtes en plein dans l'esprit de cette réunion ce soir. C'est de prendre en compte, j'ai envie de dire, le remarque des uns et des autres. Là, c'est là que ça sert aussi, cette réunion. Et vos arguments seront versés au débat. Est-ce que je peux avoir la parole de... Non, pas du coup, moi j'ai... Non, pas du coup,
Oui, voilà. Alors moi, je suis pour le projet de la déviation de Jonge parce que je comprends la légende Jonge comme ras-le-bol de trafic. Mais, enfin, des camions, des voitures aussi, il faut mettre des camions dans le... Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est que sur la déviation que vous voulez faire de la 77, vous êtes entre deux ou trois ronds-points. En sachant que les ronds-points, c'est 300 fois plus d'accidents pour les camions que quand il y en a pas. On est bien d'accord. Vous avez un rond-point sur la nationale 77 sortie du bois qui est en descente, qui n'est pas déjà terrible quand ça va descendre, ça va être bien. Et un en bord que vous voulez mettre vers le Grand Aymon, qui est encore en descente. Alors là, je vais voir les dégâts, mais vous pouvez déjà prévoir un garage, un voleur de camion, et un autre après sur la 84. Bon, trois ronds-points l'un sur l'autre, vous pouvez peut-être arrêter un petit peu. Par contre, l'argent du deuxième rond-point, vous pouvez peut-être nous le mettre justement dans une déviation sur la borne. Parce que je suis sûr qu'il y a moyen de se raccorder après chez Xavier, juste à la déviation. Bon, par le fait, moi j'ai pris ma petite auto, j'ai fait le tour de tout ça, et moi je dis que par le rond-point, par la D84, ça nous fait 5 km de la borne pour aller au rond-point de Jonge, ça fait 2 km 400 de plus que d'habitude. Pour un petit ouvrier, ça y fait 1600 km de plus, avec un aller, un retour par jour. On est bien d'accord. Et par le baron des Grisaines, ça nous fait 4 km 800 pour aller au rond-point de Jonge. Ce qui nous fait quand même 2 km 200 en plus que si on descendait directement par Jonge. Et tout ça, c'est des retraités qui habitent à la borne la plupart du temps. Il y a beaucoup de retraités. Merci encore pour nos compliments. Voilà, alors, le baron des Grisaines, moi déjà je suis pas d'accord, parce que comme disait monsieur, la route allait déjà quand même pour y aller. Et en plus de ça, vous croyez quand même pas que les gens qui ont l'habitude de passer par la tour Coulouf, qui viennent de Benne, Blénicorro, Venouan, etc., ils vont aller passer par le baron. C'est faux. Parce qu'il y aura un rond-point, un échangeur sur la bretelle de la Bruxelles. Il y aura un rond-point en bas, et à 8h du matin déjà, on ne peut plus passer au rond-point en bas. Et en plus de ça, il y aura encore un rond-point à l'embranchement de la zone industrielle sur la 84. Alors, les gens, ils continueront à passer par la tour Coulon. C'est certain. Voilà. Alors, la bretelle, le barreau des Grisaines, je veux bien, mais à mon avis, c'est pas pour l'avoir qu'on le fait, ça serait peut-être plutôt pour autre chose. À mon avis. Voilà. Bah, surtout, merci. Merci, monsieur. Ah, si. Excusez-moi, j'en profite parce que je prenais le coup. Oui, et puis alors, moi, je voudrais quand même qu'on me dise combien, s'il y a des pompiers ici, combien de temps ils ont mettent en plus pour venir à la borne en cas d'incendie. Parce que moi, je me rappelle quand il y a eu l'incendie de la maison dans le lotissement Bellevue, 2 km 400 en plus, je suis pas certain qu'on aurait trouvé grand-chose de la maison. Et alors, point de vue urgence et doctorat, etc., SAMU, il ne faut pas faire un AVC, je vous reviens tout de suite. Voilà. Voilà, permettez-moi de revenir sur la fermeture du passage à niveau. Hein. Encore une fois, les passages à niveau, les moins circulés ont moins de probabilité pour être le théâtre d'accidents, mais il y a des accidents sur les passages à niveau, il y a même des accidents sur des passages à niveau qui franchissent des chemins ruraux ou des chemins agricoles qui franchissent les voies. Voilà. Il y a des constats d'accidents. Et quand on parle de sécurité à un passage à niveau, permettez-moi aussi de penser à ceux qui sont en train. Voilà. Ce n'est pas que ceux qui passent, qui franchissent la voie ferrée en voiture. Il y a une vraie sécurité aussi par rapport aux usagers de la voie ferrée. Mais ça va jusqu'à, pour nous, dans la commande que l'on a, à fermer la traversée piétonne. Voilà. Fermer la traversée piétonne et la traversée en mode actif, donc pour les vélos notamment. Pour dire que le sujet est prégnant quand même, hein, et qu'on cherche par là à être dans une suppression de passages à niveau qui résolve définitivement le problème.
Quand on va laisser un passage à niveau ouvert, le naturel va revenir au galop et tous les gens qui passaient avant repasseront. Et je ne vois pas aujourd'hui quels sont les moyens que l'on peut avoir pour les empêcher de passer. Voilà. Vous ne pouvez pas dire que c'est votre métier. Mais Monsieur Davos. Excusez-moi. Là, parce qu'il y a quelqu'un aussi qui a demandé la parole, c'est pour ça. Et Xavier. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin d'un micro. Si. Oui, si je voulais. Vous voulez bien vous présenter Monsieur Chabet, habitant la Borne. Alors, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, je ne vois pas la SAP2R fermer l'A6 parce qu'il y a beaucoup d'accidents sur l'A6 et beaucoup de gens qui ne respectent pas les règles de sécurité routière. C'est très dommageable les accidents qu'on a eus dernièrement sur le passage à niveau, on en convient. On en convient aussi que la déviation de jonche, après tout ce qu'on a connu là depuis quelques années, on ne peut pas être contre, il n'y a pas de souci. Quant à la fermeture du passage à niveau, je rejoins monsieur qui a fait la première intervention. Quand nous sommes, je suis chef d'entreprise, vous nous parlez de 9,5 millions d'euros. J'en ai parlé avec monsieur le maire de Venoy dernièrement. Je pense que quand la première voiture roulera sur votre barreau, on sera plus près des 15 millions, puisque à la SNCF, comme partout ailleurs, quand vous nous donnez un budget, monsieur le maire d'Auxerre, vous pouvez me contredire, en principe, il y a un petit ajout dans les années à venir, du simple nom. Dans tous les projets, on finit toujours avec une belle petite enveloppe à remettre au bout qui est votée dans les conseils d'hiver. Permettez-moi de vous inviter d'aller lire les journaux de Saône-et-Loire ou de la Nièvre, hein, sur lesquels on est engagé sur des gros projets. Il y en a un qui s'appelle la RCE. Voilà, depuis 4 ans, on a fait des projets avec environ 6 mois d'avance sur les délais sur lesquels on s'était engagé. Et puis on n'avait pas vraiment pris de précautions, hein, et avec à peu près 15% d'économie. Voilà. Et on n'a pas été dans la même situation sur la RN7 dernière. Alors, pour ce qu'il y a de bon, c'est qu'avec monsieur le maire de Venoy, nous avons parié une caisse de champagne. Je suis sûr de l'avoir. 9 millions d'euros, vous finirez par 9 millions d'euros, puisque de toute façon, c'est des projets à 4-5 ans, et vous savez d'ores et déjà que ça finit toujours mal, ces petites histoires-là. On dit le passage à niveau de jonche. Pourquoi ne pas faire passer, je vous rejoins complètement, les habitants de cette zone-là, sur le passage à niveau. Quand on voit ce que ça engendre, pour les habitants de là-bas, le nombre de kilomètres supplémentaires à parcourir sur une année. Je ne vous dis pas sur 10 ans ou sur 20 ans. Je vous dis ne serait-ce que sur une année. Alors, on est en concertation, on est en discussion, j'en conviens tout à fait. Maintenant, si vous nous avez conviés aujourd'hui, c'est aussi pour prendre connaissance de nos préoccupations. Donc, merci d'y réfléchir. Oui, c'est tout à fait ça que ça dit. Mais aussi pour travailler sur un certain nombre de projets, on est dans cette situation, on a un passage à niveau urbain qui nécessite pour être supprimé, donc dénivelé, des déviations, des contournements, et qui, dans tous les cas, génère effectivement des allongements de parcours. Et impacte ceux qui sont les plus près, qui sont qui utilisent ça au quotidien et qui sont sur des déplacements courts et qui se voient rallonger leur parcours effectivement d'un peu plus de 2 km, quoi. Mais on a bien entendu tout ça, voilà. Donc on va le faire aux remontées, évidemment. Oui, monsieur Trillon. Est-ce que, au niveau des statistiques, là, on parle des accidents et des incidents qui se sont passés sur le passage à niveau de jonche ? On vous entend quand même, je crois, oui. Donc, on parle des accidents qui se sont passés sur le passage à niveau et des incidents. Alors, est-ce que quelqu'un a remarqué que ces incidents et accidents se produisaient toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens Auxerre 3 ? Donc, il y a certainement... Complètement. N'importe quoi. Comment ? N'importe quoi, monsieur. Les accidents se passent dans le sens Auxerre 3. Donc, est-ce qu'on ne peut pas se poser la question de savoir si les gens, les conducteurs, font attention aux panneaux, attention voie ferrée avec le feu clignotant qui est placé à 150 mètres du passage à niveau.
parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne voient pas ce panneau. Alors en plus... Attendez, chacun son tour, parce qu'il n'y a pas de mains qui se... Finissez, monsieur Trident. Monsieur Trident, finissez. Alors, d'autre part, on a vu les statistiques de franchissement là, par le radar. Alors, c'est pareil, j'ai vu le tableau vite fait, là. C'est dans le sens Auxerre-3 qu'il y a le plus de franchissement. Et dans le sens 3 Auxerre, il y en a nettement moins. Alors, comment expliquer cette différence? Parce que c'est vraiment une très grosse différence. Et pour le reste, je suis d'accord avec ce qui a été dit tout à l'heure. Ce passage à niveau n'a rien de dangereux. Il suffit de respecter le code de la route. Et lorsqu'il y aura plus les 15 000 véhicules qui passeront, eh bien, il y aura moins de danger. Ok, toute note également est prise de tout ce que vous venez de dire, monsieur Trident. Oui, monsieur. De la Borde. Je vais questionner afin de raccourcir le temps de parcours pour la Borde, les gens de la Borde, est-ce qu'il y a possibilité d'ouvrir la rue de l'Élément d'Or à Jonche, juste pour le sur la Borde qui se trouve passer par là, pas forcément tout le monde ne passera pas forcément par la là, rue des... qui est venu rejoindre la rue de Turgotine à Auxerre. Mais on avait travaillé là-dessus peu ou prou, je ne sais plus ce qu'il y a comme difficulté, mais par contre je le note parce que ça permettra de vérifier pourquoi il y a eu la possibilité. On avait la possibilité d'aller sur Auxerre beaucoup plus rapidement. Je vois ce que vous voulez dire. Il y avait des difficultés, je les ai mis en tête, très sincèrement, mais je peux répondre. Parce que là on n'a pas le passage à niveau à franchir et on irait directement à Auxerre. Voilà, on va regarder. Je vous apporterai les éléments de réponse. Si on pourrait laisser la parole à l'adjoint spécial de Georges, quand même, qui d'ailleurs, sur son siège, commence à bouillir. Bonsoir. Je sais que je vais faire des amis à la Borde, mais moi je vis le passage à niveau au quotidien. Alors pour répondre déjà, monsieur, ça ne sera pas 300 véhicules, mais ça sera les 2700 ou 2800, parce qu'on n'est pas à 2300, c'est beaucoup plus que ça, qui descendent de la Borde. Alors je vais quand même vous raconter une toute petite anecdote. Le lendemain du drame que nous avons vécu, les policiers d'Auxerre se sont mis en stationnement sur le trottoir de 7h du matin jusqu'à midi. Alors je les ai rencontrés, je suis allé leur demander pourquoi ils étaient là, est-ce qu'ils verbalisaient. Ils m'ont dit non, on est là en observateur. Je dis qu'est-ce que vous avez vu d'anormal? Eh bien, imaginez, le lendemain du drame, hein, on a eu une remontée de fil du rond-point avec des voitures stationnées sur le passage à niveau. Ça, uniquement parce que les incivilités font que le feu rouge qui descend de la Borde est complètement ignoré. C'est un concert de klaxons, moi je le vis au quotidien, j'y habite au carrefour. Hein. C'est un concert de klaxons chaque matin, à 8h, de 8h moins le quart jusqu'à 8h15, de 9h moins le quart jusqu'à 9h15, parce que les gens qui sont sûrement un tout petit peu en retard ben, sont pressés de crier le feu rouge pour passer sous le passage à niveau. Alors, ça... Laissez finir, Christian. D'autre part, c'est les accidents dont on vous a parlé tout à l'heure, les accidents, ce sont des accidents qui ont été répertoriés par la préfecture, mais il faut quand même savoir que des accidents à Jonche, au passage à niveau, il y en a une quantité inimaginable, qui sont souvent... Oui, non, mais faut pas rêver. Moi, je le dis au quotidien, je sais de quoi je parle. Oui, bien sûr, Madame Dufour, mais vous êtes prudente, Madame Dufour. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Hein? Depuis le drame, on a eu un poids lourd qui a dû emmener la barrière parce qu'il franchissait le passage à niveau. Et j'en passe les meilleurs. Il faut quand même savoir que le passage à niveau, contrairement à ce qu'on peut imaginer, il est très dangereux. Il est très dangereux, comme tous les passages à niveau. Mais si on respecte la réglementation qui a été mise en place depuis l'accident de 2010, il est nettement moins dangereux. Mais à condition de la respecter, ce qui n'est pas le cas. Alors, parce qu'il y a plein de demandes de parole.
Attends, parce qu'il y a d'autres demandes de parole. On essaie de faire s'exprimer toutes celles et tous ceux qui veulent s'exprimer. Daniel Durand. Le feu rouge, s'il se met au rouge, on ne voit pas. D'accord. Mais ça, c'est... Je voudrais dire aussi un certain point de vue. Je ne sais pas si elle est là, mais Madame M.H., allez, c'est une dame comme tout le monde, toutes ces dames qui sont ici, qui n'est pas, qui est une conductrice normale, eh bien, entre guillemets, eh bien, elle a été pénalisée et elle a eu ses 3 points et son amende parce qu'elle s'est fait prendre malencontreusement par le système. Pour ma part, je confirme ceci. Il y a mon ami, et j'ai un ami plus loin, la maire, qui a des responsabilités, qui a lui-même été piégé par le radar. Et je pense qu'il y en a peut-être d'autres dans cette assemblée. Pour ma part, j'ai été surpris et j'ai failli être pris. L'avant de la voiture était déjà avancé, que tout s'était mis au rouge. Et il y avait des voitures devant, et heureusement il n'y en avait pas derrière, j'ai pu reculer. Mais pour un peu, ma voiture était coupée en deux, comme le camion qui est là. Voilà. Deuxièmement, je n'ai pas terminé parce que je passe ce passage à niveau à une moyenne, dans l'année, une moyenne de 4 fois par jour, je passe à ce passage à niveau. Et comme l'a dit un de mes amis récemment, maintenant, avec les accidents qui se... Et puis aussi le dysfonctionnement. C'est le dysfonctionnement du système. Quand je dis dysfonctionnement, je regrette le fonctionnement des lumières, des feux rouges, et au point. Il fonctionne bien. Mais il est mal disposé, et il est mal calculé, et il y a des questions que M. le maire... Vous l'avez posé la question au chemin de fer, de voir un petit peu si on ne pourrait pas reculer les barrières par rapport à la voie. Effectivement, que vous répond la SNCF, les passages à niveau, ils sont aux normes SNCF. Or, la norme SNCF, c'est la même à Jonge, c'est la même à Saint-Quentin, c'est la même à Chenic, c'est-à-dire que la barrière qui baisse, elle est exactement à 1,50 m, 2 m maximum du rail de chemin de fer. Et bien ça c'est technique, c'est tout simple. Et je me suis arrêté à minuit et demi. J'ai vu le technicien, je revenais du basket n'est-ce pas, et vous avez gagné. Et bien je revenais du basket et il y avait des techniciens qui étaient là et je me suis arrêté, il était minuit et demi. Et on a discuté avec les techniciens. Et les techniciens m'ont dit ça fonctionne. Et bien sûr ça fonctionne. Mais ce n'est pas avec les passages, les normes SNCF, sont dates de la machine à vapeur. Et aujourd'hui, avec le volume de circulation, eh bien, le système qui est prévu il y a une cinquantaine ou 100 ans, il ne peut plus fonctionner. Alors, monsieur le maire, je vous demande officiellement aujourd'hui, quelle que soit la situation, la décision qui sera prise, que l'État et la commune, ça c'est un partage, c'est à voir, que l'on mette en place ce que vous-même vous avez proposé. Monsieur le maire d'Auxerre a proposé 2 ou 3 éléments. Un premier élément, que les trains ralentissent. On ne va pas faire croire aujourd'hui que les minutes ou la minute qu'on va perdre entre Auxerre ou les 2 minutes entre Auxerre et Migennes, ça va ficher en l'air les horaires et SNCF. Nous savons comment ça va. Donc, ça c'est une première chose. Donc, que les trains ralentissent au moins sur ce passage à niveau, au moins le temps des travaux. Parce que pendant les travaux, comment ça va se passer? La deuxième solution que vous avez proposée, qui devrait être mise en place, et ça, ce n'est pas hors de prix, c'est de reculer, d'espacer les barrières qui c'est là, les espacer de la voie ferrée. C'est-à-dire qu'il faut repousser d'un mètre ou deux. Alors faire 3 trous des barrières avec un peu plus de fil électrique, c'est quand même pas ça qui va ruiner la communauté. Voilà des propositions. Et je vous dis que moi, j'ai failli me faire prendre. Eh bien, je vous assure qu'il se passe des tas de choses dans votre corps à ce moment-là. Je vous remercie. Merci de vous garder. Je vais passer la parole à la représentante de SNCF Réseau, madame Boulanico. Vous passez le podium. Alors en effet,
Donc nous avons pris en considération les demandes faites dernièrement par monsieur le maire d'Auxerre. Elles étaient au nombre de 3, donc vous en avez déjà explicité 2. La troisième était également de mettre une caméra pour surveiller le fonctionnement du passage à niveau. C'est en cours. Il y a eu une réunion hier, pas plus tard qu'hier, sur le terrain pour voir comment on peut mettre en place ce système de vidéosurveillance. Je tiens à rappeler également que depuis l'accident malheureusement mortel, on a mis également un enregistreur pour enregistrer donc l'ensemble des phases de fermeture du passage à niveau, puisque depuis cet accident, on a énormément de remontées sur des dysfonctionnements. Voilà, donc cela nous permet de croiser les remontées qui sont faites donc, par les usagers routiers et nos informations. Voilà, à ce jour, tout ce qu'on peut dire par rapport à ce qui s'est passé depuis, il n'y a eu aucun dysfonctionnement pour l'instant de constater sur le passage à niveau. Après, ralentir les trains, donc, ça a été étudié, mais par contre, ralentir les trains, ça veut dire que le passage à niveau sera fermé plus longtemps. Donc... Donc, effectivement, le passage à niveau sera fermé à peine plus longtemps. Vous savez, tout comme moi, que ce passage à niveau est équipé de 2 demi-barrières. Et donc, inévitablement, nous aurons les passages en chicane, parce que les gens voudront absolument passer. Voilà. Il suffit de dire, madame. Également, pour rappeler, dans l'étude d'amélioration qui a été menée en 2018, donc en plus de ce qui a été mis en place juste en 2012, toutes ces demandes ont été étudiées. Et si elles n'ont pas été retenues, c'est qu'il n'a pas été jugé pertinent de les mettre en place. Voilà, donc je pense que monsieur le maire, enfin vous n'avez peut-être pas reçu encore récemment de réponse de la part de SNCF, mais cela ne serait tardé. Croyez que. Je sais qu'il y a une décision sur les caméras. Voilà, les caméras, voilà, non, ça devrait être mis en place. Merci à vous, en tout cas, madame. On va prendre encore une ou deux questions. Je crois que finit-on pas par se répéter, mais les questions, les préoccupations qui sont les vôtres, on les a notées. Vous ne pouvez que les conforter, que les échéances. C'est encore moi, désolé. Monsieur Dalréal, si du coup vous avez une commande, une demande pour étudier la traversée de Jonge pour la rendre impratique, non pratique, non facile pour les camions, pour les gros flux, est-ce que vous sauriez étudier quelque chose pour garantir qu'il n'y aura bien que quelques centaines de véhicules qui descendront la Jonge, que quelques centaines de véhicules qui descendront la Borne. C'est faisable. Si on vous le commande. Alors, on peut imaginer des aménagements routiers qui dissuadent beaucoup la circulation. J'en connais pas qui la rendent impossible, si ce n'est de barrer ni plus ni moins la route. Alors, on la barrait pour les habitants de Jonge et pas pour ceux de la Borne. Moi, je suis convaincu, mais pour l'avoir déjà eu en expérience, que si vous laissez le passage à niveau ouvert, voilà, la circulation qui passe aujourd'hui, qui passera demain. Voilà, quelles que soient les mesures de police ou les mesures de restriction de circulation que vous pourrez prendre. C'est dans vos attributions, c'est dans vos compétences aujourd'hui de définir des tracés qui font que les camions ne peuvent pas facilement rentrer dans Jonge, qui font que les véhicules qui descendraient aujourd'hui la RN 77 pourraient naturellement et plus facilement se retrouver à Moneto. Il y a plein d'établissements, plein de solutions en France, et je peux vous trouver des homologues si vous avez besoin d'aide pour trouver des solutions. Mais faire des chicanes, mettre des ralentisseurs, faire des systèmes de stationnement croisés pour que les gens ne traversent pas Jonge, il y a beaucoup de possibilités. Les gens de Jonge ne seraient pas enclavés. Je rejoins le commentaire de monsieur tout à l'heure qui dit qu'aujourd'hui, il y a énormément d'incivilités qui sont à la cause du problème. Par contre, si vous descendez et que vous prenez le feu rouge, vous comprendrez qu'ici, la plupart des gens qui sont là, moi je me fais klaxonner aussi, quand on respecte le feu rouge, il y a 2 voitures qui passent. Et on attend 15 minutes au feu. Donc le problème, c'est la gestion complète de ce problème. Il y a des solutions. Il y a de vraies solutions. On n'est pas obligé d'être attentiste ou d'aller à la facilité. Il y a d'autres solutions. Ok, tout ceci est également noté dans le PV de cette réunion. Oui,
Oui, bonsoir. Donc, Eric Faure, habitant de la Borde. Moi, j'aimerais qu'on revienne quand même sur le problème du barreau extérieur à la Borde qui fait passer par les Griselles. Ça a été largement évoqué. Apparemment, c'est déjà une solution qui est retenue. Oui, je voudrais pas être méchant en disant ça, mais bon, largement évoqué, largement étudié. Il y avait une autre proposition qui était plus, effectivement, de couper à la sortie pardon, de la Borde, à savoir à la hauteur des jardins de la Borde, vers chez M. Chavet, effectivement. Et là, je pense qu'il y aurait peut-être une faisabilité, dans le sens où il y a déjà des chemins, et qui regagne la rocade, pour ainsi dire, pratiquement à niveau. Oui, M. Faure, rien n'est tranché en la matière. Ce qui était présent... Non, vous avez déjà des idées qui sont pas bien conçues, quand même. Pas du tout, sinon je vous le dirai, parce que j'ai dit en introduction tout à l'heure que je considère que les décisions de l'État va plutôt dans le bon sens. Encore une fois, on ne peut pas jouer. Je comprends qu'il y ait des personnes qui soient d'accord, d'autres qui ne soient pas d'accord. Ça, c'est le débat démocratique et chacun son point de vue. Je le respecte. C'est pour ça que je vous dis ça, tout simplement pour dire que rien n'est tranché aujourd'hui. J'avais demandé, c'est moi qui avais demandé au service de l'État, ce n'était en juin 2017 d'ailleurs. J'avais dit au service de l'État, s'il y a suppression du passage à niveau de Georges, il faut que nous étudions pour éviter toute la circulation de flux de transit qui passe par la Borde, il faut trouver un autre point de passage. Et j'ai envie de dire, gracieusement, puisque c'était plus de la compétence de l'État à ce moment-là, les services de l'État ont travaillé, nous ont soumis deux hypothèses. Désormais, moi j'ai fait délibérer le conseil municipal la semaine dernière, et je confierai la réalisation des travaux à la communauté d'agglomération que je préside. Nous allons débuter des études de faisabilité, partant des hypothèses qui sont celles de l'État, mais qui ne sont pas les seules possibles. Et donc, attendez, nous allons regarder les points de passage à la fois les plus simples, les plus aisés et les moins chers. Donc, rien n'est bouclé aujourd'hui. Le seul calendrier que je me fixe, c'est que nous puissions avoir le barreau réalisé en même temps que serait réalisé le contournement de Georges, précisément pour qu'il y ait une acquaintance, une adéquation plutôt entre les deux projets. Que les bonnes habitudes soient bien prises tout de suite, effectivement. Oui, absolument. Pour ça que non, mais si on est d'accord là-dessus. Mais je ne sais pas s'il ne serait pas... Vous avez déjà étudié, effectivement, ce genre de barreau ? Alors, l'étude qui a été faite, une étude de faisabilité, hein, pour voir si, effectivement, il y avait de la pertinence à faire par rapport au trafic et si on avait des solutions techniques de raccordement. Nous, le regard qu'on a eu là-dessus, hein, est un regard, effectivement, assez lâche, hein, pas très fouillé. Hein, et on est convaincu que par rapport aux solutions qu'on a présentées qui démontrent une faisabilité... et pour nous, voilà, qui sommes de l'extérieur, une opportunité, il y a une optimisation voilà, de projet à faire, voilà, qui doit permettre de le rendre encore plus fonctionnel et sans doute moins coûteux. Je pense très sincèrement que par rapport aux chemins qui peuvent exister et un accès avec une voie d'accélération, ça serait certainement jouable. Tout serait examiné. Non mais à réfléchir, effectivement, ouais, d'où des positions à la matière, mais je pense que ça serait plus droit et moins dangereux que de repasser par les Griselles et effectivement une route qui est assez dangereuse quand même. Donc pas d'a priori de ma part, on va regarder, et la solution, j'ai envie de dire, la plus heureuse sur la matière. Donc, de mon côté, je note à ce monsieur qui était à un nom, à la question, avez-vous étudié cette option? La réponse était non. Je souhaite qu'elle soit enregistrée, c'est important. La deuxième, c'est que si cette option était retenue, les gens de l'Est, etc., n'auraient plus à traverser la Borde et auraient une solution facilitée, pas forcément mieux que le barreau pour eux, mais qui serait mieux pour l'ensemble. Donc j'aimerais bien que ce soit marqué noir sur blanc, que vous n'avez pas étudié, ça ne peut pas être demandé, vraisemblablement. Tout est noté, je suis d'accord. C'est plus clair, c'est dit. Y a-t-il encore d'autres demandes? Alors, vous, monsieur, et puis une dame blonde dans le fond de la salle. Oui, bonsoir, Jacques Tokarski, j'habite à 8 km du rond-point de Jonche avec un petit pied à terre à Jonche. Pour le boulot, je passe 4 fois le passage à niveau et le petit projet va me faire 500 mètres de plus à chaque voyage. Bon, on verra, ça fera 500 km à l'année, un plein, bon, c'est pas le sujet.
J'ai écrit à la mairie, ils m'ont pas répondu, c'est la raison pour laquelle je suis venu ce soir, pour avoir les réponses. Et comme il y a un projet de passer au-dessus de la voie ferrée, j'avais demandé, est-ce qu'on va prévoir une hauteur suffisamment haute pour une éventuelle électrification? C'est pour nous faire le coup dans 25 ans, nous dire que c'est pas assez haut pour faire passer l'électrique, ce serait dommage. Étant donné qu'à Moneto, on a déjà le problème avec la 6 qui bloque la hauteur sous le SNCF. Mais madame pourra nous le confirmer. En plus, il y avait la réponse dans le diaporama, parce que vous me dites que vous allez faire un passage doux à 6,30 m, et votre projet il prévoit 5,80 m. Donc on voit déjà que le pont qui va être fait il est trop petit pour faire passer l'électrification. Je ne sais pas si vous l'aviez noté. Après, j'avais demandé, est-ce que vous allez prévoir des voies pour les véhicules de roue, les piétons? Bon, la voie fait 7 mètres, je ne sais pas si c'est prévu. On peut vite se faire quiller en vélo par des camions qui passent à 30 cm de nous. Ce serait dommage de se louper pour un mètre de voie en plus. Ouais, c'est dommage. Puis je leur avais dit, comme on va être en pleine campagne, est-ce que c'est prévu d'éclairer la nuit? Et puis il y a des belles sociétés pas loin d'ici qui font des éclairages LED qu'on pourrait mettre une fois sur deux ou selon la demande. Et ben, j'ai toujours pas de réponse. Merci. Alors nous, on imaginait que les piétons et les cyclistes repasseraient par la traversée de Jonche et par le dispositif de traversée de la voie là où est le passage à niveau pour les modes doux, plutôt que de les voir emprunter le contournement. Mais on a noté ça aussi. Dans tous les cas, je ne pense pas que l'on prévoit d'éclairage, puisque aujourd'hui, on n'éclaire pas les voies qui soient en race campagne. On est même plutôt en train d'éteindre ceux qui sont dans le périurbain. Voilà, donc il y a peu de... Enfin, grande chance qu'il n'y ait pas d'éclairage sur cette voie-là. La borne, on est considéré comment? Parce que la borne, on n'a pas de vue sur pourquoi ce soir, mais la descente de la borne, quel que soit l'endroit, on est parti pour ça. Oui, vous êtes sur une route communale, là. Les deux voiries, la tour Coulon ou la route qui descend, la route que vous empruntez. Aujourd'hui, si je descends de la borne, Vous allez si je descends de la borne, je devrais avoir de la lumière pour descendre en vélo. C'est un point de vue. Quelle est la réglementation des tendances? Non, toutes les voies ne sont pas éclairées. Et aujourd'hui, les dispositions qui sont poussées, hein, c'est de faire en sorte que l'usager soit visible. Et plus que l'éclairage, on a même des situations où l'éclairage a été un contresens de sécurité, hein, avec des éclairages qui avaient tendance à effacer la perception de piétons ou de roues, surtout si les deux roues et les piétons font confiance à cet éclairage pour être vus et ne portent pas des vêtements suffisamment visibles. C'était par exemple... la question des suréclairages sur les passages piétons, sur les traversées piétonnes, voilà, qui à un moment se sont beaucoup faites, hein, se sont beaucoup aménagées. Et aujourd'hui, il y a plutôt un retrait de ces solutions-là. Voilà, parce que l'expérience a montré qu'elles n'étaient pas de sécurité. Je ne vous ai pas oublié, madame. Alors, moi, je suis madame le maire, je suis habitante à la Borde. Ce qui me chagrine un petit peu, c'est que dans cette salle, on a des habitants de la Borde et des habitants de Jonche, ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes attentes, et je les comprends. Je comprends Jonche, qui a beaucoup de passages le long de la Nationale, c'est normal, j'entends. Nous, la Borde, ce qui m'attriste, c'est qu'il y a aussi des jeunes qui s'installent, avec des jeunes enfants. Et on va être encore éloignés de plus en plus, on va parvenir sur un problème dont j'ai déjà débattu en tant que délégué de parents d'élèves, sur l'absence de bus pour nos jeunes enfants. Donc on est obligé de les emmener sur Auxerre régulièrement. Donc on a le travail, on a nos enfants, et on a des jeunes qui ne viennent pas s'installer à la Borde parce qu'on a mauvaise réputation à cause de ça. Je trouve ça triste, parce que c'est quand même un lieu où il fait bon vivre. Moi j'ai des bons voisins. Il y a des choses qui se mettent en place. Les enfants vivent à la ville, mais aussi à la campagne. Ils peuvent prendre le vélo, aller voir des copains, etc. C'est le côté sympa de la Borde. Et encore une fois, on va trinquer, parce qu'il faut mettre en place des choses, et que la Borde est un petit peu oubliée. Donc, il ne faut pas oublier Jonche, mais il ne faut pas oublier la Borde non plus,
J'en reviens à votre raccordement au niveau d'EDF. Il y a régulièrement, moi qui vais à la gym le soir sur Benoît, des accidents après le jardin, des voitures dans le fossé. La dernière fois, c'était beaucoup plus important, on a dû repasser par le grand tour. Et ça, on n'est pas dans le journal, hein, par contre. Je pense qu'il y avait énormément de blessés, puisqu'il y a eu 4 ambulances cette fois-là. Ça nous a fait arriver en tabarage. Et donc cette voie-là non plus n'est pas praticable pour un grand trafic. Donc effectivement, je rejoins M. Faure sur ce qui a été dit tout à l'heure, le raccordement au niveau des jardins éviterait ces petits virages qui sont dangereux, les gens arrivent vite. Alors encore une fois, on fait face à des incivilités des gens. Régulièrement, moi l'autre jour avec mon fils, on rentrait du judo, je ne sais pas comment je suis passée, mais je suis passée, parce que le virage a été pris largement au milieu. On a eu très peur tous les deux, on a nagui à aller dans le fossé, on est passé. Donc tout ça fait qu'il y a la voirie, de toute façon, à la Borde, quelle qu'elle soit, n'est pas au nord. Qu'on descende par la Tour Coulon, la route est trop petite. Qu'on descende par les jardins, la route est trop petite. Quand on pouvait encore passer par le passage à niveau, la voirie n'était pas adaptée. Du coup, nos bus ne passeront jamais. Donc tout ça fait que la jeunesse, parce qu'il y a quand même une jeunesse qui est à la Borde, elle trinque un peu aussi. Voilà. Moi, je respecte tous les peuples, et je reviens sur ce que je disais à M. Faure tout à l'heure. Si le barreau doit se réaliser, et je souhaite qu'il se réalise concomitamment avec la réalisation du contournement du passage à niveau, aujourd'hui, rien n'est décidé. Rien n'est décidé. Et je suis d'accord avec vous, toute la voirie qui sort de la Borde en direction des Griselles, Venois, le reste, il m'arrive de la prendre. Il m'arrivait aussi de faillir me trouver dans le fossé, non pas parce que je roulais vite, parce qu'en face de moi, il y avait un abruti qui roulait un peu trop vite. Voilà. Et donc, nous choisirons la solution, encore une fois, la plus heureuse, bien sûr, pour le vivre. Et surtout que l'éviation qu'on veut pour la Borde, on ne demande pas à avoir une éviation poids lourd. Ah non, non, on n'est pas d'éviation poids lourd. On ne va pas s'amuser. D'abord, il n'y a pas de poids lourd qui passe là-bas. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près... Mais attends, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions qui se posent, qui sont, d'accord, monsieur, vous cédez la parole, monsieur, mais pour dire que on voit bien ce que sont les points saillants de vos demandes ou de vos interrogations, on a encore, j'imagine, de la pédagogie à faire, on aura besoin tout au long de ce processus et de ce calendrier, on aura besoin de vous revoir, de vous associer à tout ça, de vous informer, en tout cas... C'était indispensable qu'en toute cause nous puissions avoir vos réactions, parce que ça conditionne aussi la manière dont nous gérons un certain nombre d'éléments. Et j'ai bien retenu, notamment pour ce qui me concerne de manière très directe, j'ai bien retenu que sur le fameux barreau, j'appelle ça barreau, c'est peut-être un mot un peu pompeux d'ailleurs, peu importe, et bien là, il y a la concertation, on devra jouer à plein. Il faudra bien que nous trouvions les voies d'un consensus pour, en tout état de cause, la réalisation du contournement du passage à niveau et donc sa suppression. Nous conduit, parce que je demande aussi qu'il y ait des habitants de la Borde, hein, je le dis tel que je le pense, moi je me suis fait engueuler par les habitants de la Borde en disant si le passage est fermé, trouvez-nous une solution. C'est ce que je fais, je travaille là-dessus, et donc nous trouverons toujours les voies, j'allais dire, d'une solution. Christophe, si tu veux dire un mot, j'ajoute d'ailleurs que comme tu vas t'exprimer comme conseiller départemental des maires de Venois, dans sa fête d'affaires de Barreau, l'État prend en charge totalement la réalisation de la fermeture du passage à niveau et son contournement. Le barreau que j'évoque, il passe d'une route départementale à une route nationale, qui est le contournement Est. Donc je demanderai aussi à la fois au département et à l'État de m'accompagner sur le plan financier, à la fois pour les études que nous allons engager, mais également pour sa réalisation. Ça me paraît le fait de Basaloi et aussi le partage des responsabilités que nous exerçons les uns les autres. Alors avant peut-être que tu dises un mot, le monsieur voulait s'exprimer. Oui, bonsoir, monsieur Zaros, habitant de Moneto. Donc je voudrais simplement signaler des petites choses qui m'ont interpellé au cours de cette réunion. D'abord, la brochure qui nous était remise n'est pas très sincère, puisque j'ai découvert dans le diaporama qu'on parlait également de fermer le passage niveau 18, qui est celui qui est en bas de la rue du Grand-Mémont, et qu'on avait écarté certains tracés, notamment ceux qui passaient à travers les habitations de Jonche, pour des raisons acoustiques, de nuisances, etc.
Et je découvre sur cette brochure qu'on a une variante urbaine qui ramène le taux de circulation de la 77 complètement en bas de la rue du Grand-Aimont avec un rond-point très près des habitations. Alors pourquoi d'un côté, dans cette proposition de variante urbaine, on ne tient pas compte des nuisances, parce que là on est très très près, quand la rue du Grand-Aimont, moi pour y habiter, je pense que le rond-point sera à environ une cinquantaine de mètres de la première habitation de cette rue. Et d'autre part, fermer ce passage à niveau de Moneto, qui est quand même très utile pour toute la partie des lotissements de Moneto, qui se permettent directement de regagner le CD 84, et qui, depuis 40 ans que j'y habite, n'a jamais eu aucun accident. Voilà. Donc, ce qui m'a gêné, c'est de voir apparaître ceci. Je comprends qu'on ait un débat autour de suppression du passage de la Borne. C'est pour ça que j'ai laissé d'abord beaucoup les gens de la Borne s'exprimer. Mais il faut aussi revenir au projet de déviation, qui est aussi des conséquences sur les nuisances qu'ils peuvent apporter à Moneto. C'est pas en même temps non plus un mur de anti-bruit si près des habitations, vous savez, c'est quand même pas très, très joyeux pour les gens qui y habitent. Voilà ma réflexion autour de cette déviation. Alors je vous confirme qu'on a bien la commande de suppression du passage à niveau PN19 et pas de suppression du passage PN18. Voilà, on a simplement fait avancer notre projet avec des variantes qui rendaient possible ou pas la suppression du passage à niveau 18, voilà, qui la rendent possible ou pas. Voilà. Donc c'est simplement ce qu'on a voulu exprimer dans le diaporama pour être transparent. Mais la plaquette qui évoque la suppression du passage du PN19, voilà, ne reprend pas effectivement ça. Voilà. Sur les tracés, hein, il est évident que les tracés 1 et 2 qui ont été écartés maintenant depuis 3 ans génèrent des problèmes environnementaux hein, qui sont bien plus importants que ceux qu'on a avec le tracé 5. Et c'est ça qui a fait que la décision a été prise sur le tracé 5. Maintenant, on voit bien que dans les deux variantes sur ce tracé 5, hein, il y en a une qui apporte plus de fonctionnalités urbaines, c'est pour ça qu'on l'a baptisée urbaine, et qui se rapproche plus des habitations. C'est assez logique d'être dans cette situation-là. Non, mais pour avoir plus de fonctionnalités urbaines, il faut se rapprocher de l'urbain. Voilà. Après... Oui, mais c'est... Donc, vous avez noté, je ne vais pas parler à la place de l'État, mais il y a des variantes. Donc j'imagine que la réunion de Moneto, je me retourne vers le Luc Moneto qui est à votre table ce soir, sera une réunion de concertation essentielle en la matière. Voilà. Donc on va, comme on l'a fait ce soir, écouter les parties intéressées, voilà, et on verra bien ce qui ressort de ce débat. Pour l'instant, les deux variantes sont bien présentées. Voilà. Avec les avantages et les inconvénients de chacun. Donc rien n'est perdu sur les variantes. Donc avant de prononcer quelques mots de conclusion, mais une conclusion provisoire, nous aurons l'occasion de nous revoir, Christophe souhaite s'exprimer. Excusez-moi, j'ai une dernière question. Oui, je vous en prie, madame. Avez-vous déjà anticipé le circuit du bus scolaire, ou c'est une question qui n'a pas encore été mise à l'ordre ? On trouvera toujours une solution pour le bus scolaire. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais peut-être dire des choses qui feront plaisir à certains et moins plaisir à d'autres, mais à la fin de mon propos, je donnerai une solution qui donnera satisfaction à chacun. Je l'espère. Donc tout d'abord, pour rappeler que personnellement je suis dans le dossier depuis très très peu de temps, que depuis 2017, pour deux raisons que je déplore. La première, c'est que personne n'avait vu que Benoît était à côté. Donc voilà, quand ça fait très longtemps que nous on dit qu'il y a beaucoup de monde au niveau de la route des jardins, on ne nous croit pas, y compris quand il y a des travaux d'eau. Et enfin, on commence à s'en rendre compte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, donc je suis élu au département depuis pas très longtemps, mais en plus, le conseil départemental n'a jamais donné son accord sur ces versions. Et quand Guy Ferrez tout à l'heure disait une majorité d'élus ont donné leur accord, je suis dans la minorité
dont il y a au moins le maire de Moneto et moi-même, je suis à côté de l'adjoint de Moneto, où nous, depuis qu'on connaît le dossier, c'est-à-dire il y a peu de temps, nous étions plus pour la version 1, qui, même s'il y a eu beaucoup de choses de dites ce soir, d'inconvénients, je rappelle que quand on enterre une route, on ne l'entend plus, et ceux qui habitaient Grézel savent de quoi je parle. Quand elle est aérienne, on l'entend beaucoup, quand elle est enterrée, on ne l'entend plus. Et donc le fait qu'on pouvait l'enterrer était un énorme avantage et pour la Borde et pour Jonche. Mais on ne nous a pas demandé notre avis. Quant au raccordement, messieurs de l'Adréal nous ont dit qu'on était trop près, mais on peut s'éloigner un petit peu. Et je regrette, et je passe la commande officiellement aujourd'hui, que pour moi il manque un élément important, deux comptages. Le comptage des véhicules sur la Nationale 77 en haut au niveau de Kronospan, et un comptage sur la Nationale 6 entre le rond-point de Jonche et le sud d'Auxerre, que je sais qu'il n'existe pas. Pourquoi je les demande? Parce que j'ai fait ma propre étude, j'ai écrit à M. le préfet le 16, c'est-à-dire dès le lendemain du premier jour de la consultation, et aujourd'hui, les règles qui font que un certain nombre de barreaux sont possibles ou pas possibles, chers ou moins chers, si la même route, je parle de la nationale qui contourne Auxerre, si elle était classée départementale, ça serait beaucoup plus simple et beaucoup moins cher. Donc c'est quand même dommage qu'on ne raisonne pas en nombre de véhicules. Pour moi, mon estimation, d'après les comptages du département que j'ai récupéré, vous vous en doutez, on est à peu près à 10 000 véhicules jour à cet endroit-là, voire même un petit peu moins. Sur la rocade de Sens, où il y a un rond-point, on est à 16 000. Donc vous voyez, il y a quand même des choses qui peuvent être faites, mais la classification est différente, c'est uniquement ce point-là qui nous embête. Donc, par rapport à tout ça, je sais que j'étais allé avec des gens de la Borde voir M. le préfet, qu'on n'a pas pu voir parce qu'il y a eu un souci avec l'accident qui est arrivé au mauvais moment. J'en suis désolé pour les personnes concernées. Et donc, à la dernière réunion, Monsieur le préfet a démarré la réunion en disant « La décision a été prise. Elle a été prise avant moi. Donc, je ne peux pas remettre en cause la décision. » Donc, la décision est prise. Du tracé. Donc, après, il n'y a plus que les deux variantes qui ont été présentées ce soir. Ce que je déplorais fortement et que je déplore toujours. Par contre, donc, il a dit, donc, moi, je fais partie des gens qui disent si on est à 100% contre, des fois on n'obtient rien. Et parfois il faut savoir s'adapter au moment. Et donc il a dit clairement, et c'est ce que je reprends dans mon courrier, par contre je suis prêt à tout aménagement qui vont autour. D'où mes demandes de comptage et d'où mes demandes d'aménagement d'hiver. Et que tout ce que vous pensez puisse être entendu. Et donc je pense que c'est là-dessus qu'il faut que chacun réfléchisse et amène sa contribution. Il y a, aujourd'hui, on est en consultation publique, même si elle n'est non officielle, il y en aura une autre. Et ce que je vous demande aujourd'hui, il faudra refaire la même quand ça sera l'enquête publique. Donc, un, je souhaite que le barreau, le meilleur, hein, bien sûr, moi je n'ai pas d'a priori, le meilleur soit réalisé avant la fermeture du passage à niveau, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas financé. Il est trop cher. Moi, je pense qu'on peut encore diviser le prix par plus que deux, d'où notre pari avec M. Chavet. Mais c'est pas grave, on va s'en remettre. Moi, je veux pas 6 millions, 9, 6, vous avez vu, moi, je veux 2. Donc, et je pense qu'on peut y arriver. Il y a moyen de diminuer encore cette enveloppe. Mais vous remarquerez quand même que l'enveloppe du tracé 5 plus le barreau sera quand même plus chère que le tracé 1. Ça, je pense que tout le monde l'a vu. D'accord ? Et donc, par rapport à tout ça, eh bien, il y a un cahier de consultation qui est ouvert jusqu'au 15 avril dans trois mairies, Auxerre, Moneto et Venois. Je ne connais pas les horaires d'Auxerre, mais à Venois, c'est ouvert de 8h à midi et de 13h30 à 17h30 tous les jours, sauf le samedi après-midi et le mercredi après-midi. Vous serez bien accueillis, il faut aller écrire.
Il faut aller écrire ce que vous pensez et ce que vous souhaitez. C'est plus important que tout. Et donc, j'invite tout le monde à appeler ses voisins et autres et à venir noter. C'est très important. Les habitants de Venoix me connaissent, ils savent que c'est comme ça qu'on a obtenu les merlons de terre. On a obtenu le fait d'enterrer l'autoroute sur Venoix, parce que grâce aux gens qui sont mobilisés en venant écrire, le commissaire enquêteur a dit impérativement, il faut enterrer l'autoroute. Vous voyez ? Et donc à un moment donné, il faut se déplacer, il faut aller écrire, parce que nous, on essaye de vous représenter, mais quand on est seul, c'est beaucoup plus difficile. Donc voilà, pour clore la réunion ce soir, j'invite chacun à aller écrire ce qu'il pense et ce qu'il a envie, et avec des propositions, il y en a eu plusieurs ce soir, plus vous ferez des propositions réalisables, et plus on a de chances d'arriver au meilleur compromis pour tout le monde et pour la sécurité de tous. Quelques mots d'abord pour revenir sur quelques-uns de tes propos. Lorsque j'avais proposé, c'est moi qui ai proposé, en dernière réunion au comité de pilotage chez le préfet, que ce soit l'agglomération qui assure la maîtrise d'ouvrage du barreau, dont encore une fois, le tracé n'est pas décidé aujourd'hui. J'avais eu l'engagement à ce moment-là des deux représentants du département qui étaient Christophe et puis Robert Bidot, le maire de Veluto, que l'État, le département s'engagerait aux côtés de l'agglomération. J'ai eu l'assurance aussi du préfet, de sa secrétaire générale. Et donc nous pourrons aussi réussir tout cela dans la mesure où l'ensemble des parties prenantes des collectivités et de l'État concernés pourront à ce moment-là mettre au point. Donc il ne faut pas que nous ayons aujourd'hui d'a priori de préjugés ni sur le tracé, ni sur le coût. Nous verrons l'arrivée ce que cela donne. Je vous encourage aussi, et par ailleurs, moi j'ai bien entendu, je vois bien là encore une fois les points saillants, j'allais dire, et qui se comprennent. Je ne sais pas si nous devons les entendre, mais ils se comprennent en tout cas. Elle me retourne vers vous, monsieur Davos. En tout état de cause, le projet verra le jour. Quand il ne faut jamais mener les gens en bateau, ça ne sert strictement à rien. En revanche, sur un certain nombre d'éléments plus concrets et périphériques à ce projet de contournement, oui, un certain nombre d'éléments peuvent être pris en compte. Et c'est là-dessus, je crois, que doit porter, non pas le combat, on n'est pas en guerre, c'est pas comme ça. Il faut bien prioriser les choses. La priorité qui est celle de l'État, c'est d'assurer la sécurité. On part de là. Après, on regarde comment, autour de tout cela, les choses peuvent se passer. Moi, ce à quoi j'ai envie de vous appeler ce soir, c'est vraiment à l'unité. Il ne faut pas qu'on se déchire sur ces choses-là. Il faut que nous travaillions ensemble, nous continuerons de travailler ensemble. Et chaque fois qu'il s'agisse du barreau ou qu'il s'agisse du contournement réalisé par l'État, chaque fois que nous donnerons satisfaction, nous le donnerons. Mais je crois aussi que tout ceci nécessite un langage clair, de transparence et surtout un langage honnête. Moi, j'assume mes responsabilités. Je pense qu'il faut prioriser la sécurité. Ça peut plaire ou pas plaire, mais peu importe. Je ne suis pas là forcément pour plaire. Et vraiment, il faut que nous assumions tout ceci et surtout que nous ne menions pas, ça ne vous concerne pas, nous ne menions pas des combats d'arrière-garde. Regardons devant et essayons de répondre à la fois aux demandes et surtout d'avoir demain, en matière de sécurité, sur ce passage à niveau qui n'a fait que trop de morts jusqu'à présent, que les choses soient réglées une fois pour toutes. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir, mais nous reverrons d'ailleurs, bien évidemment, à la fois dans le cadre du projet de suppression et contournement, et puis aussi dans le cadre du projet qui est celui du barreau. Et je le dis comme je le pense, je prends l'engagement aussi devant vous, je veux l'ouverture concomitante à la fois du contournement, du passage à niveau et du barreau reliant départemental à la rocade Est. Voilà, mesdames et messieurs, merci en tout cas de votre participation. Ce fut un bon moment de démocratie. Merci. Et vous êtes bien sûr, c'est Patrick Picard qui vous parle, adjoint à Moneto, vous êtes bien sûr invité, pour tous ceux qui veulent venir nous rejoindre à la réunion publique à Moneto la semaine prochaine. Vous serez les bienvenus. Merci.